Du bon mot au bénin. Du bon commun au bénin. Au début du XXe siècle, trois royaumes cessent d'être autonomes et sont confondus dans un ensemble divisé en cercles, gérés par des administrateurs et cantons, gérés par des chefs africains. Pendant la Première Guerre mondiale, des troubles éclatent dans le nord du pays après l'envoi de troupes autochtones sur le front européen. À la fin de la guerre, la colonie se structure, les moyens de communication se développent donc, la production agricole se rationalise et la scolarisation augmente. Sous l'influence de missions catholiques et protestantes, d'une part, de l'enseignement laïque, d'autre part, un enseignement primaire et secondaire se met en place, intégré dans l'Afrique occidentale française, l'AOF. Les Dahoméens entrent donc dans la fonction publique et servent dans d'autres territoires de la Fédération. Le pays est alors qualifié de quartier latin d'Afrique. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la suite. À très vite!